Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais partager avec vous une parabole de Jésus pour nous servir de leçon. C'est un message très profond et nous la trouvons dans Matthieu 25, du 1er au 13e verset. Je vous demande de lire Matthieu 25, du 1er au 13e verset. Jésus nous parle de 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Donc, il y avait deux catégories. Les 5 qui étaient folles et les 5 qui étaient sages. Toutes les deux avaient des lampes avec de l'huile. À l'époque, il fallait de l'huile pour que la lampe reste allumée. Mais à cet moment, les deux catégories se sont endormies. Les cinq folles et les cinq sages se sont endormis parce que c'était la nuit. Au verset 6, on dit qu'au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ça dit que les deux catégories, toutes les deux, attendaient l'époux. Mais il y a un problème. Avant que l'époux arrive, les cinq sages avaient gardé de l'huile avec elles, au cas où. Mais les cinq folles n'avaient pas d'huile en réserve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on les a réveillés, les cinq vierges qui étaient sages pouvaient allumer leurs lampes parce qu'elles avaient l'huile. Mais les cinq folles n'avaient pas d'huile. Et ils ont demandé aux sages de leur donner, mais les sages ne pouvaient pas leur donner. Et les folles ont été obligées d'aller chercher l'huile. Mais pendant qu'elles allaient acheter l'huile, l'époux est arrivé et n'était pas là. Les cinq folles n'étaient pas là, mais les cinq sages étaient là. Au verset 10, il est écrit, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui et dans la salle de noces, et la porte fut fermée. » De quel époux on parle ici? L'époux, c'est Jésus-Christ. Et la porte a été fermée. Qui a fermé cette porte? C'est l'époux qui a fermé cette porte. Et après que l'époux ait fermé la porte, au verset 11, on voit que les cinq autres, c'est-à-dire les cinq folles, arrivent. Elles ont dit, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais l'époux qui est Jésus a répondu, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je vais attirer votre attention au verset 13. Il est dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Ici, je m'adresse à deux catégories de ceux qui m'écoutent. Il y a la catégorie de ceux qui sont déjà sauvés. Si tu es sauvé, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, le message aussi te concerne. Tu ne connais ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Parce que nous avons la promesse que Jésus va revenir. Et tu ne connais ni le jour ni l'heure. Donc, toi qui es chrétien, il faut garder l'huile. Que veut dire garder l'huile? Il faut garder une vie de prière. Une vie de sanctification. Reste dans le Seigneur. Ceux qui n'avaient plus d'huile, ils ont abandonné. Il y a ceux qui m'écoutent, ils étaient chrétiens, ils avaient accepté Jésus, mais à cet moment, ils se sont fatigués et ils sont retournés dans le monde. Si tu es retourné dans le monde et que Jésus revienne alors que tu es dans le monde, la porte sera fermée pour toi. C'est le moment de te réconcilier. Il faut revenir. Il faut avoir l'huile, l'huile de la parole. Reste avec Jésus parce que c'est là où il y a la vie. Et la deuxième catégorie de ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui n'ont pas encore accepter Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, ça dit que c'est l'opportunité qui t'est donnée aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain, tu ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine ou le mois prochain, mais si tu entends cette voix, ce n'est pas ma voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Jésus te cherche. Il veut gagner ton cœur. Il veut que tu sois sauvé. Et si tu l'acceptes aujourd'hui, tu seras un homme ou une femme heureuse. Tu seras heureux. Accepte Jésus aujourd'hui tant que c'est possible. Parce qu'il y a un moment où ce ne sera pas facile d'accepter Jésus. Il y a un moment où ce sera la persécution. Maintenant, je te demande d'accepter Jésus pour ton bien, pour que ton âme soit sauvée. Ne sois pas distrait par les plaisirs de son monde. Il y a des plaisirs de son monde. Il y a des choses qui t'attirent. Mais si tu veux faire plaisir à ta chair et que tu meurs dans les plaisirs de la chair, tu rateras la vie éternelle, tu rateras le ciel. À moins que tu ne crois pas que ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu. Mais si tu crois que c'est la parole de Dieu, si tu crois que ce que je dis, je l'ai lu dans la parole de Dieu, prépare-toi, seul Dieu connaît ton heure. Tu ne sais pas quand il viendra, tu ne sais pas non plus quand tu mourras. Même s'il vient dans 20 ans, dans 30 ans, mais toi aussi, tu ne sais pas si tu seras vivant dans 30 ans ou dans 40 ans. C'est pour cela qu'il faut te préparer. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, si tu as avorté, si tu as menti, si tu as commis l'impudicité, le mensonge, l'adultère, tout ce que tu as fait peut être effacé aujourd'hui même. Ce matin, tu peux être pardonné et ton nom peut être écrit dans le livre de
la vie. Même toi qui dis, je n'ai point commis de fornication, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas un meurtrier, j'ai une bonne conduite, peu importe le bon comportement que tu as. Aussi longtemps que tu es né dans la chair, tu es né d'un homme et d'une femme, tu as besoin de la repentance. Bien sûr, tout le monde voit que tu es correct, que tu es un homme droit, mais Dieu connaît ton cœur. Il y a des choses que toi tu ne connais pas, toi-même tu ne connais pas, mais accepte Jésus, mets-toi à genoux, appelle Jésus qui vient dans ta vie pour que tu sois une nouvelle créature. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous sommes encore au 4e chapitre du livre de Néhémie. Je vous ai demandé de lire tout le 4e chapitre. C'est un chapitre qui contient beaucoup de choses. Nous continuerons avec ce même chapitre, même la semaine prochaine. Hier, je vous ai montré que chaque fois que tu as quelque chose que tu fais pour la gloire de Dieu, il y aura toujours des oppositions. Il doit toujours y avoir des Tobija et Sanballat pour te décourager. Ce sont des paroles qui te lancent à travers les personnes qui sont proches de toi. Ça ne vient pas de loin. Il y a des personnes qui vont t'approcher pour te décourager, mais si tu as bien compris, tu ne lâches pas, tu continues. À tous les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui suivent cette émission. Si tu sais que tu as une mission de Dieu, n'abandonne pas, ne sois pas découragé, ne sois pas distrait par les paroles de Tobija et Sanballat. Peu importe ce qu'on dira, si on dit que tu es un voleur, alors que tu n'es pas un voleur, tu ne vas pas devenir un voleur. Si on dit que tu es un sataniste, si tu n'es pas un sataniste, tu ne vas pas devenir un sataniste. Ne perds pas ton temps à t'expliquer. Je vois parfois des serviteurs de Dieu qui font beaucoup d'émissions sur les réseaux sociaux. Chaque fois, il est en train de s'expliquer. Tu t'expliques si c'est le point. Chaque fois, tu reviens toujours. Tu essaies de convaincre que tu n'es pas ce qu'on dit que tu es. Mais laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Seigneur te justifier. Parce que ceux qui te suivent, ils finiront par voir que ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, on reconnaîtra un serviteur de Dieu par les fruits. Et ce n'est pas à toi de te défendre. Ne te défends pas. Laisse le Seigneur te défendre. Allez, l'époque de Tobija et Sanballat, quand ils étaient encore vivants, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que Tobija et Sanballat s'approchent de là où ils étaient en train de construire. Il fallait qu'ils soient près d'eux pour parler afin qu'ils les entendent. Mais aujourd'hui, quand je fais cette émission, nous sommes en 2024. Aujourd'hui, en 2024, l'esprit de Tobija et Sanballat n'a pas besoin de venir physiquement. C'est très facile. Ils utilisent souvent les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour Tobija et Sanballat aujourd'hui pour attaquer les serviteurs de Dieu. Ils utilisent Facebook, ils utilisent YouTube, TikTok, Instagram. Ils utilisent tout ce qui est facile pour atteindre tous ceux qui te suivent. Si tu es un pasteur, on va t'attaquer sur Facebook, sur YouTube, juste pour informer ceux qui t'écoutent, pour les décourager de te suivre. Et toi, quand tu vas voir ça, tu vas avoir peur et tu vas te décourager. Mais si ça t'arrive, il faut te rappeler de Néhémie 4, verset 6. J'ai beaucoup aimé le verset 6 parce que Néhémie, avec son équipe, ils étaient attaqués. Tobija et Sanballat disaient n'importe quoi, mais ils n'ont pas cessé de construire. Parce que verset 6, il est dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur son travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de mépriser les paroles de Tobija et Sanballat. C'est ça le secret. Les serviteurs de Dieu qui m'écoutaient, les pasteurs qui m'écoutaient, ne prêtez pas attention aux propos de Tobija et Sanballat. Je sais que la plupart d'entre vous me suivez sur YouTube ou sur Facebook. Vous voyez vous-même ce qui se passe sur YouTube et Facebook. Et surtout, ça devient chaud quand il y a des croisades. Quand il y a des croisades en cours, on dit tout sur moi. On dit que je suis un sataniste. On dit que je suis un sorcier. Parfois, il y a ceux qui m'envoient des vidéos avec des cornes, avec des choses qui pourraient me décourager. Mais parce que je connais le secret, ça ne me décourage pas. Je n'y prête même plus attention. Je continue l'œuvre de Dieu. Je ne cesse pas. Je persévère. Je prie comme avant. Et Dieu se manifeste. Il y a des preuves. Il y a des fruits qui montrent que Dieu est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que j'ai compris le secret. Le secret est
d'ignorer les paroles de Tobija et Sanballat et de continuer. Ne soyez pas distraits. Et comme vous le voyez au verset 6, ils étaient à 50% du travail et nous allons voir qu'ils ont même continué malgré les paroles de Tobija et Sanballat. Tobija et Sanballat n'ont pas attaqué avec les flèches, mais ils ont attaqué avec les paroles. Les paroles, les posts sur YouTube, les posts sur Facebook, que ça ne te décourage pas. Laissez-les poster, mais toi continue l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer si tu agis ainsi? Le résultat est que l'œuvre va continuer à grandir. Ce qui est étonnant, c'est que plus ces esprits attaquent le serviteur de Dieu et que le serviteur de Dieu les ignore et continue, l'œuvre continue à croître. On a commencé à m'attaquer depuis 2018 et depuis cette année, c'est là que l'œuvre de Dieu a boosté. Aujourd'hui, le nombre de ceux qui se convertissent a augmenté. Les gens qui sont guéris, les maladies, les transformations, les délivrances, malgré les paroles de Tobija et Sanballat, l'œuvre continue à grandir parce que je n'ai pas prêté attention à ce qu'ils disent. Toi qui m'écoutes, ne sois pas distrait. Concentre-toi sur l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Bien sûr, ça va irriter Tobija et Sanballat, mais d'un autre côté, le Seigneur te donnera plus de fruits, comme ça a été le cas pour Néhémie et son équipe. Je veux continuer à en parler dans Kanguka de lundi. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Que Jésus vous bénisse. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.